les gens ont un appétit de connaissance. Tout le monde s'intéresse aux sciences, de près ou de loin. Bienvenue à vous tous qui êtes là, plus de 800 personnes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Nous avons souhaité justement raconter et rencontrer, emmener ici de grandes personnalités pour partager l'aventure de la science. On a bien des exemples dans l'histoire des idées, de grands concepts, de grandes théories qui ont commencé avec juste un petit éclair dans un cerveau humain. Je ne sais pas si je suis tombé amoureux des maths, peut-être un peu plus des mathématiciens en fait. Dans mon travail, l'objet qui m'intéresse, c'est la physique souvent, mais le langage que j'affectionne, c'est celui des mathématiques. C'est très enthousiasmant de voir l'enthousiasme des gens voilà, quand ils sont à ce niveau intellectuel. C'est important de communiquer pour qu'au milieu de toute la masse de sons qu'on a en permanence, on soit quand même un peu informé de où on en est au niveau de la recherche scientifique. Chez Einstein, l'espace et comme ce délicieux dessert de nos voisins anglais, qui est élastique. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? C'est une onde de vibration de la gelée espace. La partie la plus importante de ma recherche, c'est qu'elle est suffisamment belle pour intéresser des gens qui vont eux-mêmes l'utiliser. Il y a beaucoup de lycéens dans la salle. Je pense que nous allons avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de scientifiques demain. Il est sage de commencer très large et très ambitieux, d'essayer de lire un petit peu beaucoup de choses, d'essayer d'avoir un œil sur ce qui se passe à côté. J'ai beaucoup aimé la soirée, elle était passionnante avec des intervenants bluffants. Ça donne envie de refaire des maths. C'était impressionnant, on a appris plein de trucs sur les trous noirs. Nous sommes les nouveaux scientifiques, quoi. Du coup, c'est intéressant.